C'était au temps où la terre avait besoin des bras des hommes pour être fertilisée. Chaque année, à la saison de l'arrachage des pommes de terre, les saisonniers quittaient le cœur de la Bretagne pour immigrer sur le littoral privé de sa main-d'œuvre partie en mer. Pierre Abgral décida de tenter l'aventure au printemps de l'année 1920. Il venait de perdre sa mère, et n'ayant pas eu de père, plus rien ne le retenait au pays. Pas même l'amour de Léa. Il descendit des monts d'Arrée, une terre rocheuse en altitude, marécageuse en plaine, un sol pauvre qui nourrissait à peine ses habitants. Il prit la route de la Ceinture Dorée, un paradis terrestre qui longe la côte, un immense jardin où les champs meurent quand les rochers paraissent, où les différents tons de vert des cultures annoncent l'émeraude de l'océan. Ici, on naissait terrien ou marin selon ses origines. On cultivait le sol ou on labourait les flots. Pour la première fois, Pierre vit la mer. Il découvrit ce pays étrange où les femmes vivaient seules l'été, la peur au ventre, où les mères et les épouses des pêcheurs passaient leurs jours et leurs nuits à craindre l'arrivée de la mauvaise nouvelle. Il le découvrit et l'aima au point d'y rester. J'ai pas beaucoup dormi. Tu as été présent toute la nuit dans ma tête et dans mon cœur. Il rencontra Marie, la lavandière, fut ému par sa beauté fragile, par ses yeux aux couleurs de la mer, par sa silhouette qui, face au large, rêvait d'un fiancé et attendait son retour. C'est elle ! C'est bien la charmeuse ! Je la reconnais à sa dunette ! Je la reconnaîtrai entre mille. Ils ont mis le pavillon Berne ! C'est pas une fille ! Tu l'as entendu, maman ? Il m'a répondu ! C'est pas lui, maman ! C'est pas lui ! Merde ! Eh bien, maman, tu travailles pour la marine ! C'est pas toi, Léon. Tu te caches pour me faire peur, mais je suis sûre que c'est pas toi. Demande des nouvelles, avant qu'elle nous interroge un par un pour savoir qui est manquant. Pas de neuf au pays ! Trouve-lui un remplaçant! Et s'il change d'avis? Il changera pas d'avis, le pauvre bonhomme! Pourquoi il dit ça? C'est son gars qui est manquant. C'est René? Montre-toi!
Je te vois pas! Fille, comme si elle n'avait pas déjà eu sa part de malheur. Parez à virer à gauche toute. Parez à virer à gauche toute. La barre est toute à gauche. Bien. Charles, je viens vous annoncer une nouvelle qui n'est pas bonne. Le malheur arrive dans votre maison. Je sais. On m'a déjà prévenu. Allez au-devant de vos hommes, vous autres. Je m'occupe de Marie. On va pas te laisser toute seule avec elle. On sera pas toute seule. Je veux rester, moi aussi. J'attends personne. Colombe! Vas-y, toi aussi! Allez! Thank you.
pointe. La pointe. Tourne la garde comme ça. Salut, capitaine. Bonjour, monsieur l'armateur. Ah, de voir arriver ici pas sur l'eau, je me suis dit, Joseph a encore fait des miracles. Bon, je crois que vous ne serez pas mécontent. La cale est pleine, le poisson est beau. Il est presque aussi épais que du lard. Deux jours et une nuit pour le dessaler, ça sera pas trop. Non, t'exagères pas un peu, là. Non, vous allez voir par vous-même. Mousse, apporte une morue. Oui, capitaine. Il ne choisit pas, prends la première sur le dessus. Oui, capitaine. Mousse. Oui, père de Breton. Choisis pas, mais prends quand même la plus grosse. T'as pas ramené tout ton monde. Hélas, non, monsieur Louvet. Comment c'est arrivé pour qu'il se soit perdu tout seul? Si ça ne vous ennuie pas, je préfère ne pas en parler tout de suite. C'est à son père que j'aimerais le raconter en premier. Tu vois, ce qu'il y a de bien avec toi, ma bonne femme, c'est que je suis pas dépaysé, je sens toujours le poisson. As-tu bien pensé à moi? Tout le temps. Tout le temps, mon cœur aussi. Menteuse. T'as des yeux si noirs que t'as pas dû souvent regarder la mer. Ah. Lève le bras, là, laisse pas traîner par terre. Allez, cours vite d'embrasser ta mère, toi. La votre part, monsieur Louvet. Merci. T'avais raison. Elle est belle. Vous sentez la morue, monsieur Louvet, comme au temps de vos retours peu glorieux des cafés de la rue de la Soif. Si j'ai fréquenté ce genre d'endroit, ma chère amie, c'est que votre indifférence m'y a poussé. Votre trop plein d'ardeur. Ah. Vous avez encore grandi, mon défi de garce. De 4 cm. Ah ouais. Oh, plus que ça. Bientôt, vous allez me manger la soupe sur la tête. Ont-elles été sages? Oui. C'est pas toi que je demande, c'est à ta mère. C'est vrai, elles ont été sages. Plus que l'année dernière. Parce qu'on devient grande. C'est bien, les filles. Venez avec moi, j'ai un cadeau pour vous. Oui. J'ai cru que t'allais pas débarquer. T'es pas comme les autres, t'es pas pressé de voir ta femme. Ça m'aurait étonné que t'aies rien à me reprocher. Je crois pas que j'en ai assez vu comme ça. La fille, va falloir qu'on recommence, mon bonhomme. Je demande pas mieux, moi. Comme ça, hein. Mais si. Travailler dur. Mais qu'est-ce que tu fais? Quand on est parti, tu m'as emmené en brouette. Eh ben, tu me ramènes en brouette. Ah
Ah, mon cochon. Allez, vas-y donc, monte. Allez, en avant. Hop. Tu sais, avec les macros. Ouais. J'ai réussi à m'acheter des pains en laine. Ah oui, ceux que j'aime bien. Ouais, tu sais, les noirs. C'est joli. Je suis contente que tu sois là. Tu peux pas savoir. Maudite. As-tu apporté des sous? Déjà? Oui, déjà. J'ai des choses à arroser. Et je serais toi, je ne demanderai pas lesquelles. On aurait pu attendre d'être chez nous. Un petit à-compte, ma belle. Juste un petit à-compte. J'ai tellement rêvé de toi. Regarde ce que papa nous a apporté. Ce sont des poupées de Saint-Pierre. De Saint-Pierre ? Oui, oui, de Saint-Pierre et Miquelon. Regarde comme elles sont belles. Maman est restée sur le bateau avec papa. Elle a dit que tu nous gardes cette nuit. Oui, et que t'ailles au port demain matin pour les remplacer. Sur la charmeuse? Oui. T'es pas content? Attention de ne pas glisser. Ah, je me souviens, avant de nous marier, tu m'avais fait monter à bord. Et depuis, plus jamais. Ouais. Et si on m'avait dit que c'est moi qui garderais mon bateau ce soir, hein? Je me sens bien ici. Je préférerais dans notre lit. Il y a trop de monde chez nous. Quand tu seras reparti, tous les jours je penserai à ce soir. Moi aussi. Ce sera un bon souvenir pour attendre. Oui. Quand on pense trop à vous là-bas, ça fait pas que du bien. Dis-moi tout. T'as été chez la belle Angèle à Saint-Pierre? Oui. Il y avait de jolies filles? Pas pour les capitaines. Ha ha!
que nous avons péché. Allez, allez, qui nous attendait sur le quai. Allez, allez, allez. Laquelle est la putain? Belle en cuisse. Belle en cuisse. Allez, allez, allez. Foutons que nous avons péché. Allez, père. Jean-Marie! 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 Va leur dégoter un concierge au plus vite. On va pas passer une nuit de plus aussi serrée que des sardines dans leur boîte. Pierre vient demain matin. Je suis sûr qu'il fera l'affaire. Pierre. Tu es pressé de voir la tête qu'il a, ce gars-là. Il se passe pas 5 minutes sans que tu m'en parles. Qu'est-ce qu'il a de plus que les autres? Mais t'es jaloux, ma parole. Je vais finir par me demander si c'est pas pour ses beaux yeux que tu l'as gardé. Où tu vas? Je m'en vais. C'est plus rigolo. Je me faisais une fête d'être seule avec toi pour donner un peu de gaieté à l'endroit où t'as eu tant de misère. Tu gâches tout. Te fâche pas, Jeanne. Écoute-moi. Je suis pas jaloux. C'est pas toi qui me ferais des saloperies dans mon dos. Je sais bien. Si j'ai dit une ânerie, faut pas m'en vouloir. Je suis encore sous le coup de ce qui est arrivé. D'habitude, quand on vient, on se demande tous les soirs si on s'est pas trompé de cap, tellement le voyage paraît long. On occupe notre temps à imaginer nos retrouvailles avec la Terre, à espérer que tout va bien, et à avoir peur que tout se passe pas comme on l'avait prévu. Aussi, personne n'était pressé de rentrer pour annoncer la mauvaise nouvelle. Ça doit être pour ça qu'on est un peu bête. Bien, on est quitte maintenant. Jean-Marie, ton sac. Maudite garce. Jamais plus je viendrai te voir.
vous couchiez, les filles. Je suis là et je ne bougerai pas jusqu'à demain matin. Si vous avez besoin, Père Charles, n'hésitez pas à me réveiller. Ce ne sera pas nécessaire. On a bien de la peine pour vous aussi. Il y a du café de chaud. Merci. Je n'arrête pas de le voir. Lui aussi. Ils sont partis. C'est moi qui leur ai demandé de sortir. Vous avez bien fait. Je commençais à plus pouvoir supporter leur présence. Quand on a du chagrin, on n'a pas envie de le partager avec des étrangers. Elle devrait pourtant le savoir, elles qui sont passées par là. Ils en font du bruit dehors. Ils ont le droit de rire. Ils ont eu si peur d'y rester, eux aussi. Pour se calmer, il a besoin d'en prendre un. En se noyant, René leur a sauvé la vie. C'est pas de veine pour nous. Et tant mieux pour les autres. Qui débarque. Il vient démarrer de deux, là. Couille molle, hein. Il a la vase qui lui colle au tambour. Ah, oh, c'est un cul-vase. Oh. Allez, je te mets ça. à la sardine, il y a les yeux bleus, une pure forme. Oh, Macron, à la sardine. Bah, où vas-tu? J'en ai patate avec ton beau carrosse. À la charmeuse. Bah, avance sur le quai. Si tu restes là collé comme une raie dans le sable, t'es pas prêt d'y arriver. Oh, il a vraiment les deux pieds dans le même sabot, lui, hein. Oh, beau Macron qui bouge. Oh, beau Macron qui a la queue raide, hein, mesdames. Ah, la gros cul. Si vous le permettez, monsieur Louvet, je vous abandonne 5 minutes. T'attends quelqu'un? Oui, mon cheval et notre concierge. Vous n'avez plus de soucis à vous faire, on le tient. C'est qui? Le fils à Marie les Ballottes. À l'époque, elle avait eu un gars. Ah, mais vous savez pas tout, monsieur Louvet. Il y a tant de choses qui vous échappent quand vous êtes enfermé dans votre belle maison. Plains-toi! Tu vas pouvoir t'en acheter une belle, toi aussi, dans pas longtemps, avec tous les sous que tu gagnes sur mon bateau. On ne touche que ce qu'on mérite, monsieur l'armateur. Et nous? On paie cher quelquefois l'argent qu'on gagne. Bonjour. Je suis là, pépère. Me voilà revenu. Ah. Ouais, qu'il est content. Hein? T'es encore plus content que la patronne. As-tu bien été soigné? Fais-moi voir comme t'es beau. Ah, qu'il est beau, mon pépère. T'as toujours tes grosses fesses.
C'est toi qui as réglé la sous-ventrière ? Oui. À quelle mode te fais ça ? À la mode de par chez toi ? Ici, c'est un cran de moins. Ouais. Il y a la marque. Ah. Ça va mieux, mon bonhomme. T'as dû couper le bidon, t'as dû comprimer le cœur. Et toi, tu t'es pas plaint ? Pourquoi tu t'es pas plaint ? Alors c'est toi, Pierre ? Oui. C'est toi, le chéri de la patronne ? Salut, Pierre. Bonjour, patron. Non, pas patron, capitaine. Patron, c'est pour les culottes de velours. Moi, mes braies sont en toile. C'est capitaine qu'on dit. Bonjour, capitaine. Voilà. Maintenant, on va pouvoir faire affaire. Un autre phénomène. Monsieur Louvet, je vous présente Pierre Abgral. Bonjour, Pierre Abgral. Bonjour, monsieur. Aujourd'hui, 2 du mois de septembre 1920, étant en mouillage sur le grand banc de Terre-Neuve par 44 degrés 28 de latitude nord et 55 degrés 50 de longitude ouest. Nous, le Recoulou Joseph, capitaine, averti par le matelot Le Breton que le sieur Pinto René Charles-Marie, avant de Doris, avait disparu, nous sommes immédiatement transportés avec les sieurs Le Breton et le trameur dans le poste d'équipage où nous nous sommes fait présenter les hardes qui appartenaient au dit Pinto René. Ayant fait ouvrir en présence des susnommés les sacs au nombre de 2, nous avons trouvé ce qui suit. 3 pantalons cirés, 2 vareuses, 2 vestons cirés, 5 chemises en coton, 3 chemises de laine, 4 caleçons de laine, 2 pantalons en drap, 6 paires de chaussettes, 8 mouchoirs, 4 paires de mitaines, 2 bérets, 3 paletots en toile, un cache-nez, une casquette, un chapeau, un gilet, une ceinture en cuir, une paire de galoches, et 1460 en menu monnaie. Que voici. Maintenant, si vous voulez bien signer ici. Oh, capitaine! Bienvenue à bord, Charles. Enfin, c'est ce qu'on dit d'habitude. Faut faire comme d'habitude, Joseph. On est venu parce que Marie voulait voir la cabane de René. Bonjour, Père Pinto. Ah, bonjour, monsieur Louvet. Passerez-vous voir demain ou après-demain quand les comptes seront établis.
d'importance. Rien de presse. Attention de ne pas glisser. Quand on n'est pas habitué à l'odeur, ça fait drôle. Veux-tu remonter? Non. C'était là. Saloperie de brume. Ah, c'est ça. Elle est arrivée presque au début de la campagne. Elle nous a rarement lâchés jusqu'à ce qu'on quitte le mouillage. Ils se sont laissés avoir. Ce jour-là, elle est tombée en quelques minutes. Ceux qui étaient plus près sur le retour ont entendu la corde et le canon, ils ont pu relier sans souci. Mais d'autres, comme Antime et Jean-Marie, ont eu plus de misère. Ils sont rentrés que dans la nuit. Francis, de venir te relever. Pourquoi tu te reposes pas un peu? Non, j'aurai tout le temps pour ça quand la brume sera levée. Va à l'avant. Il n'y a qu'un Doris qui manquait le lendemain. C'est celui des Perles Bretons et de ton gars. Ils ont tenu longtemps. Oui, longtemps. C'est René qui a flanché. Il était devenu fou. Mais non, non, n'aie pas peur. Il est mort normalement. Il était rendu. Sur tribord arrière. Mais allez au devant, t'as de fainéant. Allez au devant.
Léon. Tiens bon, Léon. On te remorque. La bistouille, ça va le réchauffer. Il a dit en dernier, René. Le père Le Breton n'est pas très bavard, tu le sais bien. Depuis qu'il a été sauvé, il n'a plus parlé à personne. Et quand il m'a fait son compte-rendu, il ne m'a rien raconté que de l'officiel. Quand il sera remis, il te dira tout. Ce ne sera pas nécessaire. C'est assez comme ça pour nourrir mon chagrin. Ne regarde pas en bas, tu vas avoir le vertige. Allons, pressons les amoureux. On regarde bien l'appareil, on fait un beau sourire. Attention. 1, 2, 3. Voilà, demain matin, je serai prêt. Ah, très bien. Au revoir, messieurs, dames. On essaye ? Oui. Bonjour. 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 Tiens. Cœur noir, un jambon. On a gagné ! C'est notre jour de chance. Un jambon ? Et voilà les amoureux. Merci.
Viens donc par ici, René. Bonjour, capitaine. Avez-vous soif? Non, merci. Tu vas quand même pas me refuser un verre. D'accord. Alors, raconte. As-tu promis ta campagne? Non, pas encore, j'attends le dernier moment. Tu espères rempiler sur la Cancalaise? Pas forcément. Ça dépend des avances. Combien il te donne? J'ai pas encore discuté. Soulier Verny donne 500 francs, plus 25 francs de denier à Dieu. Si t'as pas mieux chez eux, reviens me voir. C'est entendu. J'ai oublié de vous demander, c'est pour quand le mariage? Ah, pas cette année. Marie s'est décidée trop tard et... T'es pas pressé, Marie? C'est pas bon signe, ça. Je serais avec toi, je me ferais du souci, René. Non. On va y aller. Allez, bonne continuation, les amoureux. Merci. Au revoir, capitaine. Au revoir. Approchez, les amoureux, que je vous dise la bonne aventure. Tu veux? Merci. Alors, on s'en va, ma fille? Oui. Si vous avez la patience d'attendre, je vous ramène avec la carriole. Oh, je te remercie. On va marcher tranquillement tous deux, Marie. Oui. Ah. Allez. Sacs. Je les ai donnés à Joseph. Ils seront plus utiles à quelqu'un qui en fera usage plutôt qu'à rester moisir dans mon grenier. J'aurais bien voulu garder quelques affaires. Son cache-nez, une paire de mitaines. Vaut mieux pas, ma petite. Un jour, ça risquerait de t'encombrer.
Pierre! Oui, capitaine. C'est bien, t'as pris le pli. As-tu visité le bateau? Oui, capitaine. Pour la paye, tu t'es mis d'accord avec l'armateur? Oui, capitaine. Si on allait arroser ta venue dans le monde des marins. Jeanne! Jeanne! Oui, capitaine. Non, te moque pas de moi. Hein. S'il n'y a pas de discipline à bord, c'est le bateau tout entier qui coule. Et ça, ça va pas là, sa place, c'est là. Qu'est-ce que tu fabriques, je t'appelle depuis une heure? Le lit de pierre. Bon, dis donc, il n'est pas assez grand pour le faire tout seul. Garde le bateau, je l'emmène boire un coup chez Adrienne. Un, mais pas deux. Deux, trois, si ça nous chante. Oh. Et t'avises pas de venir nous chercher en plus. Salut Marcel, salut Franche. Madame. Bonjour Adrienne. Voilà le plus beau de nos capitaines. Ah, le plus beau, c'est pas sûr, mais le moins vilain peut-être. C'est qui le jeune matelot que tu promènes avec toi? Je l'ai jamais vu par ici. Eh, laisse-le tranquille. Hein. Il est pas pour toi, il est pas pour toi. Comment tu la trouves? Et Saint-Pierre, elles sont toutes aussi jolies. Dis pas ça à la patronne, elle me crèverait les yeux. Alors, Joseph, comment ça va? Ça va. Je me disais, est-il fâché qu'il vient pas me voir? Ben, laisse-moi le temps d'arriver. Il paraît que t'as ramené du poisson pour nourrir la France entière. Et les colonies par-dessus le marché. Je te présente Pierre. C'est lui qui va veiller sur la charmeuse. Ouh. T'en as de la chance, mon gars. Bonjour, madame. Il y a de la chance. C'est pas facile de remplacer Branle dans le vent. Pauvre Branle dans le vent. Il aurait mieux valu qu'il meure avant de voir ça. Oh, je pense que je me suis battu pour l'avoir, son gars. Si je l'avais laissé s'embarquer sur la Cancalaise, il serait revenu. Ils ont ramené tout leur monde, eux. Cette année, oui. Mais l'année prochaine, c'est pas à souhaiter. Mais ce sera peut-être leur tour. C'est un bon gars, René. Comme son père. J'aurais peut-être pas dû laisser sortir ce jour-là. Ils vantaient si fort qu'ils nous ont pas entendus. Ils sont restés sur les rames presque deux semaines. Il n'y avait plus rien à bouffer. Ils avaient vidé les deux caisses de biscuits les premiers jours. René est mort le dixième, de faim et d'épuisement. Comment il s'est sauvé, le père Le Breton ? En buvant son urine, il a tenu deux jours de plus. Juste assez pour que le temps se lève. Eh, si on parlait de choses un peu plus gaies. Ça, c'est le coup de la patronne. Merci, Adrienne. Il te plaît, ton nouveau métier? Oui, capitaine. Attention, c'est une grande responsabilité. Même à quai, un bateau a besoin d'un commandant. Te voilà seul maître à bord après Dieu. Tâche de te montrer digne. Je ferai de mon mieux, capitaine. Pour manger, elle t'a dit, la patronne? Oui, capitaine. On t'amènera les provisions tous les 3 ou 4 jours. Tu sais faire la cuisine? Je me débrouille.
On te relèvera une fois par semaine. Qui tu mets de pied à terre? Adèle et Perrine adorent venir sur le bateau le dimanche. Ça a été des gars. Leur métier était tout trouvé. La tienne. Au revoir, Pierre. Au revoir, patronne. Dites bonsoir aux filles. Elles vont être pressées d'être à dimanche pour venir te voir. Allez, gros cul. Du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mes bien chers frères, nous sommes une fois encore rassemblés au retour de la campagne pour pleurer ceux qui ne sont pas rentrés au port. François Toulec, René Pinto. Tout à l'heure, à la prière des morts, nous demanderons au Seigneur de juger avec indulgence nos frères disparus. Ils sont morts loin de leur pays, de leur famille, loin du clocher paroissial, dépourvus du secours de notre Sainte Mère l'Église. Ils ont eu, j'en suis sûr, la contrition parfaite de leurs fautes et le désir profond du sacrement de la confession. Leur âme s'est réconciliée avec Dieu. Ah, de grâce, pauvres marins, ayez toujours la conscience en paix, vous qui êtes constamment sur le qui-vive face à la mer, qui sans cesse vous guette et vous désire. Pensez à votre salut, vous qui êtes plus que tout autre exposé à une mort soudaine et imprévue. Adieu, René. Adieu, François. Que notre Seigneur Jésus-Christ vous donne le repos éternel. Adieu. Aujourd'hui pour vous, demain pour nous. Soyons prêts. Au nom du Père, du Fils. Tiens le coup, René. Elle va bien finir par se lever, la maudite brume. On y va. Mais non, on n'y va pas. Mais
qu'est-ce que tu fous? Atroce! René! Atroce, je te dis! René! Atroce! René! De tout naufrage. Allons chez toi, le Dieu, Matt. Pourquoi tu me regardes comme ça? Quand je vais passer, jette-moi par-dessus bord. Je veux pas que tu me manges. Tu me le jures. Toi le chéri, mon départ de cette vie, pour un plus heureux séjour. Je ne sais pas si je crois au bon Dieu, mais j'ai confiance dans la bonne Vierge, comme tout le monde. Je lui allume une bougie à chaque départ, depuis que je suis tout mousse. Et je lui promets d'en rallumer une autre à mon retour, si elle me ramène sain et sauf. On s'est engagés comme ça, tous les deux. Elle n'a jamais manqué à sa parole, et moi non plus. Il l'a pourtant imploré, lui aussi. On a eu le temps d'en réciter des chapelets. Des dizaines et des dizaines et des dizaines. Et te ronge pas les seins. À quoi ça te sert? Ça te fait du mal pour rien. Ça va pas le ramener, le pauvre nez. Mais pourquoi elle m'a entendu, moi, et pas lui? Hein? Elle a trop de monde à s'occuper, c'est ça? Alors, forcément, elle en oublie un de temps en temps. Mais plus souvent qu'elle ne devrait. C'est... Ne blasphème pas, Léon. Vide ton verre avant que les autres n'arrivent. Celui-ci, c'est moi qui te l'offre. Faire peur chaque fois qu'il ouvre la bouche. Qui ça? Ah, le curé perdu. Tu l'as pas écouté pendant son prêche? Non. Ah bah tant mieux. Allez, eu. Allez bien. Allez. Nous vous attendons pour déjeuner, monsieur l'abbé. Merci, madame. À tout à l'heure, monsieur le recteur.
À tout à l'heure. Je te félicite, Amand. Te voilà père, un coup de plus. Merci, monsieur Louvet. C'est le quatrième. C'est un gain. Oui. Félicitations. Bravo aussi à toi, Marie-Louise. Pour ne rien vous cacher, j'aurais préféré avoir une fille, madame Louvet. Ce sera pour l'année prochaine. Oui. Allez, passez une bonne journée. Comment l'appellerons-nous ? Francis Joseph. Francis Joseph Marie. Non, monsieur le recteur, pas Marie. Vous ne voulez pas mettre votre enfant sous la protection de la Vierge ? J'aime autant pas, monsieur le recteur. Pourquoi donc ? Je veux le garder. Je veux pas qu'il soit marin. Si je le confie à la Vierge, il voudra partir, comme ses frères. Mais ma fille, qu'est-ce qu'il fera plus tard, cet enfant ? S'il a de la chance, il apprendra un métier. S'il n'en a pas, il ira travailler chez les autres, on le nourrira. Mais il ne partira pas au banc. J'ai trop peur que la mère me les prenne tous. Francis Joseph, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà, monsieur l'abbé, pour vos œuvres. Oh, merci, monsieur Louvet. Je suis toujours un peu gêné. Faut pas, monsieur l'abbé, faut pas. Vous priez pour tous les marins de mon époux durant toute la campagne. C'est juste que vous soyez récompensé. Bien récompensé, n'est-ce pas, monsieur Louvet ? Oui, Amélie. N'ayez pas mauvaise conscience, l'abbé. Cet argent n'est pas pris sur la part des marins, mais sur celle de l'armateur. Eh bien, dans ce cas, j'accepte. À votre santé. Merci. À votre santé, madame. Et quoi de neuf dans votre paroisse, monsieur l'abbé ? Peu de choses. Sinon que je viens de célébrer le baptême du quatrième d'Amand Gilbert. Elle ne fait que des garçons, la pauvre. Si elle continue comme ça, elle est toute seule, elle te fournira tout ton équipage, monsieur Louvet. C'est loin d'être son intention, madame Louvet. Qu'elle le veuille ou non, c'est la nature qui commande. Hein. Il n'y en a qui ne font que des femelles, elle ne fait que des mâles. Bon, s'il te plaît, Amélie, laisse l'abbé aller au bout de ce qu'il a à dire. C'est vrai. Excusez-moi, monsieur le recteur, comme vous savez, je suis née bavarde. Je disais, c'est loin d'être son intention. Elle a refusé d'ajouter Marie aux deux autres prénoms. Elle a refusé de le mettre sous la protection de la Vierge ? Oui. J'ai pourtant insisté, mais elle n'a rien voulu entendre. Et Amand ? Lui, sais-tu ? Comme tous les marins devant leur femme. Pourquoi elle a fait ça ? Ben pour ne pas que celui-ci aille au bon, pardi. Elle veut le garder pour elle à la maison, pour remplacer la fille qu'elle n'a pas eue. Oh, quelle orgueilleuse, ça lui portera pas chance. Bon, alors, de grâce, va voir si le déjeuner est prêt. Antoinette nous préviendra. Non, je t'en prie, renseigne-toi à la cuisine. Bon, excusez-moi, monsieur l'abbé,
Ma femme est sotte. Riche, mais sotte. Là, vous la connaissez mieux que moi, vous l'avez en confession. Bon, pour revenir à ce qui nous préoccupe, qu'en dit-on dans le pays ? Je ne sais pas. Je n'ai pas encore eu le temps de m'en informer. Faudrait pas que d'autres se mettent à l'imiter. Messieurs, nous sommes servis. Monsieur l'abbé. Monsieur Louvet. Prions. Benedicite Domino Senum Contum Benedictum de Christi. Amen. Thank you.
Attends-toi. Je vais lui enlever sa robe. Et 3-4 mètres plus loin, on n'avait plus pied. Eh ben, j'aurais pu me noyer, moi aussi. Tu sais pas nager ? Non. Pourtant, t'es capitaine. Mais quand on est marin, il vaut mieux pas savoir. Pourquoi ? Bah, en cas de malheur, ça ne fait que prolonger l'agonie de ceux qui tombent à l'eau. T'es pas gentil, tu nous fais peur. Mais non, il peut rien m'arriver à moi. J'ai mes deux petites fées qui me protègent. J'ai mes trois petites fées. Elle s'est enfin calmée. Papa, dis à maman pour la robe. Quoi, la robe ? Tu l'as pas achetée ? Si. Je leur ai raconté qu'elle n'a pas coulé quand je l'ai balancée dans le flot. Au contraire, elle s'est gonflée. Comme si le tissu ne buvait pas l'eau. Pourquoi tu me l'as pas dit ? J'ai pas le temps. Oh, merci mon Dieu. Bah, je vois pas ce que le bon Dieu vient faire là-dedans. Mais n'en profite pas pour vider la bouteille. Qu'est-ce que ça fait qu'elle a pas coulé ? C'est un bon présage. Ça veut dire quoi, présage ? Quand elle parlait de ma naissance, votre grand-mère, elle racontait toujours la même histoire. Quand elle m'a mis au monde, j'étais pas plus gros qu'à la peine 3 semaines, il paraît. Et plus les jours passaient, plus ma pauvre mère se lamentait. Il va pas vivre. C'est pas possible, que disait ses voisines. Regardez comme il est fripé. On dirait un petit chat sans poil. Et un jour... Mère Le Calvez, elle aurait eu marre de l'entendre geindre. Donne-moi une de ces brassières, qu'elle lui a dit. On va en avoir le cœur net. Pourquoi faire ? Toujours pressée, celle-là. Elle s'en alla l'acheter dans la mare, derrière la maison. Et quand elle revint, elle criait « Te fais pas de bile, Joséphine, il va vivre !» La brassière s'est soulevée dès que je l'ai mise dans l'eau. C'était ça, le bon présage ? Oui. La première fois, quand je suis parti au banc, maman ne pleurait pas comme les mères des autres mousses. Elle savait que j'étais née sous une bonne étoile. Allez, il est grand temps d'aller au lit. C'est toi qui nous couche ? Si vous voulez, allez, fille. Ah, on oublie maman quand papa est là. C'est pas vrai. Ah oh, bah, j'espère bien que si. Bonne nuit, maman. Bonne nuit. Notre prière ? Mais c'est pas la peine. Je suis revenu. La Sainte Vierge ne va pas être contente. Vous en ferez une plus longue quand je serai reparti. Allez. Allez, hop là. Marie aussi a une bonne étoile ? Oui. C'est pour ça que sa robe n'a pas coulé. Oui. Et je peux même vous dire que les vagues la ramenaient dès qu'elle prenait le large. C'était ça où elle se noyait. Je reste pour la veiller, tu peux aller te coucher. Bah, donne la belle, toi. Où est-ce que je vais dormir puisque notre lit est pris ? Dans le logement des ouvriers. Oh non, mais c'est pas Dieu possible. Alors qu'est-ce qui va encore se passer demain pour m'empêcher de m'allonger sur ma couette ? Chut, tu vas l'arrêter. Oh ! Je peux y aller tout de suite si tu veux. Hein. Oh, ce que tu peux être bête quand tu t'y mets. Ah oui, allez. Hé, hey, t'endors pas tout de suite, j'arrive bientôt.
toi ou je vais te dresser les côtes. Je pense qu'elle n'avait pas peur. C'est quand même pas normal. Peut-être qu'elle m'aimait moins que les autres mères. Je veux mourir. Ne dis donc pas de bêtises. Comment font les autres? Si, je veux mourir. Ça suffit maintenant. Dis-toi qu'il y en a de plus malheureuses. Ne me dispute pas. Si. Pense à celles qui restent toutes seules avec leur marmaille. Regarde la pauvre Yvonne. Et Finette, et Mignonne. Allez. Là. Je me déshabille. Laisse faire. Je m'en occupe. Quelqu'un est allé pour voir? Oui, bien sûr. Elle s'est pas couchée. Le lit n'est pas défait. Sa robe et son châle traînaient par terre. C'est ce qui nous fait peur. Pourvu qu'elle ait pas suivi l'exemple de sa pauvre mère. Ouais, pourvu. L'envie d'en finir se transmet aussi facilement que le reste. Quand le suicide est dans les familles, il n'en sort pas facilement. Qu'est-ce que vous avez à faire vos gueules tristes? Marie a disparu. Vous faites pas de bile, allez chez nous. Qu'est-ce qui lui est arrivé? On est passé tard hier soir chez elle en revenant du bateau.
Jeanne trouvait qu'elle avait pas bon moral, alors... On l'a emmenée coucher chez nous. Bah oui. Vous auriez pu fermer sa porte. Elle a battu toute la nuit. Tu l'as pas entendu, toi, Hortense? Que oui, je l'ai entendu. Je peux même te dire que je trouvais ça louche. T'avais qu'à te laver pour la fermer? Sûrement pas, j'avais bien trop peur. Pas vous? Si. Il ment comme il crache. Oui. Des couleurs claires, après il sera trop tard. Je pensais à René. Je voudrais pas te faire de peine, mais tu n'as pas apporté le deuil. La vie n'est pas finie pour toi. Elle ne fait que commencer. Regarde comme tu es belle. Tu as la peau fine, on dirait du satin. Tu n'es pas faite pour jouer les veuves, mais pour te marier et avoir des enfants. Et des hanches pareilles, ils viendront comme une lettre à la poste. Viens t'asseoir. Ce serait péché que de priver un homme de tous tes trésors. Tu sais ce qu'ils disent, les gars? T'as les plus beaux nichons du canton. Je peux te dire qu'ils en sont friands, ces cochons. Plus que les nourrissons. Pense à toi. C'est pas un crime que d'aspirer au bonheur. Comment on va cacher ça? J'ai ce qu'il faut. Bon non, tu vas pas pleurer. Le poudre de riz, c'est comme la farine à galette. Quand c'est mouillé, ça fait des grumeaux. Ses souliers vernis. Déjà? Le recteur l'aura prévenu. Bonjour, monsieur Louvet. Bonjour, les enfants. Bonjour, monsieur Louvet. Ah, t'es là, maman.
Ça tombe bien, c'est toi que je viens voir. Quel mauvais temps. Ouais, et les vents sont pourtant pas à la pluie. Hein. Bonjour Marie-Louise, salut les enfants. Bonjour Monsieur Louis. Je suis venu t'apporter ton tour. Ça ne ferait pas vous déranger, je serai tantôt avec tout le monde. Premièrement, ça ne m'a pas dérangé, assieds-toi. Deuxièmement, je me suis dit que ça te ferait plaisir de rester avec ta petite famille. Merci, Monsieur Louvet. As-tu fait tes comptes? Vous avez ma confiance, Monsieur Louvet. 10. 10. Et 11. Voilà ce qui te revient. Vous êtes sûr? Bah, la campagne est exceptionnelle, le poisson n'a jamais été si beau. C'est pas à toi que je vais l'apprendre. Oui, ça c'est vrai. Sur la charmeuse, on n'a jamais eu à se plaindre. Ce coup-ci, encore moins que d'habitude. Ah, si j'ai un conseil à te donner, change pas de capitaine. J'en connais pas un comme Joseph pour sentir la morue. Quand même, ce que vous me donnez, Monsieur Louvet, c'est trop. Ah, j'ai pensé aussi que t'avais agrandi ta famille et qu'une petite gratification serait la bienvenue. Merci. C'est en somme une prime sur l'avenir que vous nous avancez là, Monsieur Louvet? Qu'est-ce que tu vas chercher, Marie-Louise? C'est juste quelques billets pour récompenser ton homme. De faire des gars? Non, d'être le meilleur de mes patrons de Doris. Comme l'était son père et comme le seront ses fils. Et ça, ça mérite plus qu'une récompense, ça se paye. Prends les billets avant, tu les as bien gagnés. C'est pour vous aussi, les gars. Et une pour votre petit frère. Qu'est-ce qu'on dit? Merci, Monsieur Louvet. J'allais oublier. Madame Louvet m'a donné ça pour ton petit. Merci, Monsieur Louvet. Vous direz à votre dame qu'il fallait pas. Alors, il sera pas matelot, celui-ci, à ce qu'il paraît? J'aimerais autant pas. Oh, malheureusement, tu ne pourras pas grand-chose. Ce sera lui qui décidera. C'est bien rare que les fils de marins aient envie de faire autre chose que le métier de leur père. Hein, les gars? Oui, Monsieur Louvet. Quel âge que t'as, toi? 13 ans. T'embarques cette année? Oui. C'est bien. Et toi, sais-tu ton âge? 12. L'année prochaine, t'en auras 13. Oui, au mois d'octobre. Alors, au mois de mars, au mois d'octobre, c'est pareil. Tu seras l'année de tes 13 ans. Et puis, t'es costaud comme un gars de 14. Regarde les mains et les bras que tu as. Hein? Vous n'allez pas me le prendre déjà? Il est trop petit. Il est trop pâle. Ah, au large, il prendra des couleurs. Ça te dirait d'embarquer? Ah oui. Ah, tu vois ce qu'on disait avant. Hein? C'est pas du sang qu'ils ont dans les veines, c'est de l'eau de mer. Tes choses du combien? Ah, je suis sûr que t'as les pieds assez grands et les jambes assez longues pour enfiler les bottes de ton père. Ah, ils embarqueront tous les deux avec toi avant. Comme ça, tu pourras veiller dessus. Vous n'allez pas m'en enlever deux d'un coup, Monsieur Louvet? Un an près, Marie-Louise. Au revoir, les mousses. Ça vous dirait de venir au port avec moi? Oui. Bon, ben, attendez-moi 5 minutes, je reviens tout de suite. Salut, Charles. T'as raison de prendre l'air. Ça va pas durer. Regarde ce qui se prépare. J'ai vu. Assieds-toi. Si c'est pour le retour que vous venez, c'est pas la peine de sortir de l'auto, Monsieur Louvet. Votre argent, je n'en veux pas. Et c'est la part de ton fils. Elle te revient de droit. Pourquoi faire? À mon âge, on n'a plus de désir, même pas d'aller boire un coup au café chez Adrienne. Les jeunes font trop de bruit pour mes vieilles oreilles. Ah. Oh, j'ai plus besoin de vos sous. Mais tu n'as pas refusé. Tu sais bien que c'est une clause du contrat. Votre argent ne peut pas consoler ma peine, Monsieur Louvet. Donnez-le à la Caisse des Invalides.
Ah, ou plutôt non. Proposez-le à Marie, sa fiancée. Elle a dû faire des frais en prévision de leur mariage. Êtes-vous déjà monté en automobile? Non, jamais. Ah, c'est une grande journée pour vous, les gars. Allez, grimpez. Veux-tu que je t'emmène? Non, merci. Ah, excuse-moi, j'avais pas vu. Lorsque les flots en courroux viendront menacer ma tête, calme, calme la tempête, rends pour moi le ciel plus doux. Viendra mon dernier jour, éclaire étoile chérie, mon départ de cette vie pour un plus heureux séjour. Astre béni du marin, conduis ma barque au rivage, garde-moi de tout naufrage, blanche étoile du matin.